Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est mon astuce pour porter mon matériel photo quand je l'utilise sans me casser le dos. Donc voilà, j'ai écrit un article sur mon blog qui traite de ce sujet-là. Je vais le retranscrire en mode vidéo, histoire que ce soit un petit peu plus vivant, et peut-être pour que ce soit un petit peu plus compréhensible, ou rajouter quelques petites explications éventuelles. Donc voilà, de plus en plus de fabricants, au fur et à mesure des années, on font des matériels photos qui sont quand même assez lourds. Quand on voit le poids des boîtiers, des objectifs, tout ça, quand on change, quand on fait de la longue focale, bah, tout ça pèse et il faut l'emmener avec soi et on est quand même pas mal chargé. Alors j'ai pris, je reprends mon article puisque j'ai noté quelques numéros, enfin quelques poids, quelques chiffres, pour illustrer un petit peu ce qu'on est capable de prendre. Donc il y a quelques années, j'ai utilisé un boîtier D700 de chez Nikon, et rien que le boîtier pèse 1,25 kg. Ça sans la batterie. Bon, allez, je fais grâce de la batterie, qui fait quand même 82 grammes, qui se rajoute. C'est pas le plus lourd, mais ça fait déjà un petit poids. J'avais une poignée d'alimentation, avec 8 accus de type AA à l'intérieur, qui se rajoutait, ça m'a fait 496 grammes, donc 520 grammes de plus. Et l'objectif que j'utilise le plus souvent, en fait, c'est mon Nikkor 24-70 ouverture de 8, qui lui pèse aussi 1,60 grammes. Donc si on somme tout ça, ça veut dire que la masse de l'ensemble pèse 2,663 grammes. Alors voilà, il faut s'imaginer que 2,663 grammes, on les a autour du cou, qui pèsent là au niveau des cervicales. Et quand on fait une sortie balade, bah, à un moment, ça casse un peu le cou. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a eu une époque, je comprenais pas. Quand je rentrais le soir de balade photo, j'avais un mal de crâne qui était vraiment en fort. Je savais pas trop d'où ça venait. Et puis, à force, j'ai fait la corrélation avec mes sorties photos. Et je me suis rendu compte que finalement, la dragonne, elle est là. On verra, la dragonne qu'on utilise, eh ben, elle tire. Elle tire ici. Et quand on a quasiment 3 kilos, les 2,5 kg, j'ai arrondi à la baisse, 3 kilos tout le temps autour du cou, eh ben, ça cisaille. Et ça écrase un petit peu le cervelet, je pense. Et en tout cas, moi, j'ai souffert de ça. Alors, j'ai voulu trouver une autre astuce. Et à cette époque, j'ai opté pour un appareil, enfin un harnais, qui a l'avantage de non plus du tout porter au niveau du cou, mais au niveau des épaules. Alors ce harnais, je vais vous le montrer. Je vous mettrai le lien dans l'article puisqu'il y a la référence dessus. Alors, même si la référence qui est dans l'article, j'ai une première référence, c'est vraiment mon matériel, mais qui se fait plus aujourd'hui. Donc j'ai rajouté une autre référence vers Amazon. Donc c'est un lien affilié, hein, je suis transparent. Si vous passez par là, ça vous coûte pas plus cher, mais moi je gagne un petit peu. Merci de passer par là, tant qu'à faire. Par contre, donc le deuxième, c'est un petit peu le remplaçant, c'est le même type de manufacture. Alors j'ai mis. Alors c'est pas donné, hein, ces articles-là. Moi, le mien, j'ai dû payer pas loin de 250 euros, je crois, à l'origine. Celui que j'ai mis en second de la marque. Alors, je sais pas si on va bien voir. Coton de carrière. C'est vraiment cette marque-là que j'utilise. Et donc c'est cette marque-là que je. Je suis certain que c'est vraiment de la qualité, puisque ça fait déjà des années que je l'utilise. Donc le deuxième modèle que j'ai vu, là, il vaut quand même 140 euros, quelque chose comme ça. Sachant qu'il existe une autre marque qui fait exactement le même genre de profil, hein, quand on regarde la photo, qui lui est carrément moins cher et plutôt de l'ordre de 40 euros. Donc voilà. Alors j'ai pas mis le lien vers la version la moins chère.
parce que c'est une autre marque, je ne sais pas si elle est de la même qualité que celle-ci. Et moi, si je conseille un produit, c'est un produit que j'ai essayé. Donc, j'ai tendance à dire, c'est le même concept. Je vais vous montrer comment ça marche. Par contre, est-ce qu'il sera aussi résistant que la marque que je vous ai citée, Coton de Guerrière? Je sais pas, c'est à vous de voir. Effectivement, la différence de prix, ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même. Mais voilà. Donc là, vous êtes majeur, vacciné, à vous de faire votre choix. Alors comment ça se fonctionne? C'est un harnais. Je vous le montre comme ça, avec une plaque en avant, avec un petit système que je vais vous montrer comment ça marche pour fixer voilà, on voit bien là. Avec un système qui permet de verrouiller l'appareil. Des sangles avec des qui se reposent au niveau des épaules. Une partie qui va se placer dans le dos, donc on le passe entre les deux. Et voilà, déjà je le passe, donc on passe un bras, on passe la tête. On est comme ça. On a, alors je vais légèrement décaler, tourner pour qu'on voit un petit peu mieux. On a une partie clip. On a un clip qui se trouve ici, qui va se mettre sur ce clip là. Quand on est là, il est positionné globalement. Alors tout se règle, hein, les sangles ici se règlent. Alors là, il est un petit peu lâche parce que moi j'ai tendance à l'utiliser, on est quand même en janvier, avec un manteau. Donc il est un petit peu plus lâche. Mais si vous l'utilisez en été, vous resserrez les sangles et le truc il est totalement immobile face à vous. L'avantage, c'est que ça pose là. Vous êtes bien serré ici. Et voilà. Alors comment ça se dispose? On a une sangle ici qui a des clips de cette manière-là. C'est la même chose de l'autre côté. Donc qui est fixée ici avec un anneau. On essaye de montrer. Hop. Voilà. On a un anneau ici métallique. Le clip qui lui alors est en plastique, mais franchement c'est une bonne facture. Et voilà. Cet anneau, on vient. Donc, je prends mon appareil. On vient mettre un anneau de type porte-clés, alors qui est assez résistant quand même, sur l'accroche de gauche de l'appareil. Et on va clipper dessus. Ça, c'est une sécurité. C'est-à-dire que si ça tombe, c'est rattaché et il rencontrera pas le sol. D'accord? Ça reste une sécurité. Le but, c'est pas de taper dessus et ces choses-là. Hein, d'accord? Ça reste une sécurité. Il y a des vieux trucs que je remets un petit peu. Ouais, les mecs qui ont tout ouvert. Donc voilà. En dessous de cet ensemble, on a la notion d'une poignée. Donc la poignée se rattache de l'autre côté et s'attache en dessous. On a une plaque qui est métallique, qui est vissée au niveau du filetage pour accrocher sur un pied, avec une petite pièce métallique qui est circulaire mais usinée. Elle n'est pas complètement circulaire en fait à l'intérieur. Là on a le dessus, mais il y a une sorte de. Voilà, vous voyez l'épaulement à l'intérieur là. En fait, elle n'est pas totalement circulaire, elle était usinée, il y a un plâtre à côté. C'est important puisque au niveau du harnais, on a ce rétrécissement ici. Donc en fait, l'idée, c'est de placer la pièce ici, dans. Je vais me mettre devant tout. De le placer au-dessus. Si je le mets de face, ça ne rentre pas. Par contre, je le mets sur le côté. Là, ça descend. Et le simple fait de retourner, ne serait-ce que par la gravité comment ça s'appelle, de l'objectif, du poids de l'objectif, fait que aujourd'hui là, mon appareil ne peut pas sortir. Il est bloqué de par cette forme. Alors que si je le mets de côté, là il sort. Donc là je peux franchir. Si je le mets comme ça, il ne peut pas sortir. Donc là c'est une sécurité. Là il est complètement verrouillé. Je peux faire tout ce que je veux, il ne tombera pas. Alors, pareil, quand on a ça, ça peut bouger. L'autre chose, c'est qu'on a une sangle avec un gros scratch
qui a l'avantage, le recul, de passer devant et de se scratcher là. Ce qui fait que là, l'appareil est complètement immobile. Il est solidaire de l'ensemble. Donc quand le harnais est vraiment adapté, il ne bouge plus. Et donc là, on a les bras libres, on a tout ça. Je vous invite d'aller sur le site derrière de la marque. Ils montrent quelques vidéos. On voit des types, ils font du ski avec. Et ils font des sauts, ils font des choses. Clairement, c'est super, super sécur. Donc voilà, c'est vraiment ce principe-là. C'est très confortable. Et en plus, comme dans le dos, on est... donc ça, c'est des scratchs qui s'ajustent. On peut mettre un sac à dos, ça gêne pas. Moi, j'ai je sais plus quelle marque j'ai, qui est vraiment ergonomie, avec des rappels au niveau de la ceinture et tout ça. Ça pose aucun problème, c'est vraiment... ça s'intègre parfaitement. Aucun souci par rapport au port du sac à dos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien. C'est une solution que je propose. En plus, c'est super rapide. Alors ça, le scratch, vous l'utilisez quand vous marchez pas mal, et sinon vous attrapez, vous décrochez super facilement. Vous êtes à l'affût de quelque chose, vous sortez, il n'y a pas de temps en fait. Vous n'avez pas de problème de sortir, de machin, c'est très rapide. La poignée fait que l'appareil est bien positionné. Pareil, il y a un scratch qui permet de bien resserrer sur sa main pour l'ajuster comme on veut. L'autre chose, c'est que, alors je ne sais pas, c'est peut-être adapté à la longueur de mon bras, mais quand j'ai à peu près le bras tendu, je peux laisser la sangle tendue et j'ai juste à, comment dire, j'ai le poids de l'appareil qui est tenu par la sangle sans que moi je l'ai vraiment sur le bras, et par contre le bras fait que j'assure où il se trouve, et donc ça c'est pareil, c'est très pratique de manière à ne pas le bousculer, parce que des fois on voit souvent des appareils où ils sont en bandoulière, puis ils sont sur le côté et ça va mal. Donc ça c'est à cet avantage là de pouvoir le garder relativement à la main sans que ça bouge particulièrement, et quand vous n'en servez pas, vous le fixez, et là, aucun problème. Donc voilà, ça c'est un petit peu le produit que je conseille par rapport à cet usage-là. Alors, si vous avez lu l'article, j'ai quand même rencontré un petit problème passager. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, je me suis cassé une côte, là, sur le côté, et effectivement, la sangle passait exactement à l'endroit de ma blessure. Et là, pendant toute cette durée-là, alors, une côte, je vous la prends peut-être, mais ça dure quand même 4 à 6 mois de douleur. J'ai pas pu utiliser mon harnais, c'était dommage, parce que ici, le fait d'être serré me faisait souffrir. Donc il a fallu que je trouve une autre astuce, et c'est ça que je vous propose de vous montrer maintenant. Alors, j'enlève ceci. J'enlève le harnais. Puisque on a fini d'en parler. Et voilà. Donc, l'astuce, elle coûte quasiment rien. Par contre, j'ai quand même réutilisé l'un des concepts du harnais. C'est-à-dire cette fameuse lanière. Pour moi, la lanière fait que, en s'appuyant sur un seul onglet, on a, du moment que on n'est pas constamment en train de tirer dessus et faire des chocs, ça tient le coup. C'est quand même quelque chose qui tient le coup. Là, je suis avec un appareil, donc c'est le D5, il est vraiment costaud, je prends le D700 que j'avais, c'est aussi un poids, c'est quand même des appareils qui sont résistants. C'est pas n'importe quoi. Les plus fragiles, ça va être en fonction du poids de l'objectif. Si l'objectif est dans la même type de gamme que l'appareil d'entrée ou moyenne gamme, pour moi, si c'est cohérent là-dessus, ce principe-là fonctionnera, et fonctionnera au moins pour de la sécurité. Faut pas tirer dessus, faut pas faire exprès de le solliciter, mais c'est pas si fragile que ça, ce point-là. Sinon, des spécialistes type Quantum Carrière n'auraient pas proposé ça, de faire qu'un seul point d'approche. Donc voilà.
C'était quelque chose que je voulais préciser, puisque suite à mon article, j'avais eu des questions sur ce point-là. Pour moi, c'est il n'y a pas de souci, et je n'ai jamais rencontré de souci depuis que j'utilise le harnais. Donc il n'y a pas de raison que mon astuce soit plus mauvaise que ça. Donc, l'autre astuce repose sur l'usage de la dragonne. Alors, j'ai pris la dragonne classique de mon appareil, et ce que j'y ai fait, j'ai simplement placé un mousqueton. Alors, pas n'importe quel mousqueton, on veut de la sécurité, donc j'ai choisi un mousqueton avec une roulette qui permet de verrouiller et qui s'ouvre pas de façon malencontreuse. D'accord? J'ai aussi pris des mousquetons qui sont assez conséquents. Il est assez gros quand même, mais ça, c'est pas un souci. C'est en alu. Ça tient. Il n'y a pas de poids. Mais bon, c'est vraiment un truc, tu peux tirer dessus, il risque rien du tout. Il est largement surdimensionné par rapport à la masse de l'appareil. Et je l'ai simplement accroché au niveau de la dragonne, juste dessus, hein, directement. L'avantage de ça, c'est que, évidemment, je place mon mousqueton. Donc, je le désécurise. Je le clipse, je le sécurise. Il est là. Et là, ça tient. Ça tient complètement là-dessus. Il n'y a aucun souci de tenue du moment. Vous voyez, je le lâche complètement. J'essaye de lever. Hop. Ah, il est complètement pendu. Hein. C'est quand même un dessin que j'essaye de. J'y tiens. Et j'ai pas de stress. J'ai pas de stress parce que c'est une tenue. C'est pas des chocs non plus répétés. D'accord? Donc il faut quand même être assez soigneux. Et mon astuce, c'est les dragons ont la partie pub et ils ont une partie intérieure qui est antidérapante. Moi, mon astuce, c'est de retourner la dragonne parce que l'aspect antidérapant va pas être pratique pour ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est justement, je vais le mettre en bandoulière. C'est-à-dire que je passe la tête, je passe le bras et je retrouve la position de ce que l'on achète assez cher sur le marché, alors qu'on l'a déjà fourni quelque part avec nous. On l'a au niveau de la taille, il est calé au niveau de la hanche. On a exactement le même principe que ce qu'on a. Et donc, on peut le prendre et on peut shooter. Pas besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas besoin d'investir par rapport aux choses qu'on a classiquement. On a déjà tout dessus. La différence des dragons, c'est qu'eux, ils le fixent en dessous par rapport à. Okay. Donc ça, c'est pareil. Rien ne vous empêche. Moi, je vous propose ça parce que la partie du dessous est utilisée en temps normal par mon harnais. Si vous avez le pied, le ton disponible, vous fixez une plaquette, enfin, vous trouvez un petit moyen pour vous faire l'anneau au niveau du truc, vous serez complètement sécure, exactement la même chose. Ça va rien vous coûter de trouver un filetage ou d'utiliser une plaquette telle que c'est là. Et, allez, je peux le faire. Hein. Hop. Et on le met. Le fait pas petit papier là. Et donc voilà, et on a exactement le principe qu'on va payer, je sais pas combien. Le mousqueton, j'en ai eu 5 pour à peine 5 euros sur Amazon. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, un petit peu d'astuce et ça suffit. Je conseille quand même pas ça, d'utiliser ça parce que là ça tourne pas en boucle. Et donc potentiellement vous allez le dévisser et votre appareil va tomber. Donc moi je vous conseille plutôt celui-ci, hein, ce principe-là, parce que lui il tourne, il est libre, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc voilà, je l'ai remis, je l'ai sécurisé, aucun souci, il est disponible dès qu'on veut. Et l'avantage justement de l'avoir retourné, c'est que là ma dragonne quand je charge, elle glisse dans le dos. Bon, si on peut se voir, quand je lève,
voit qu'elle est à ce niveau-là, quand je charge, elle peut glisser. Si on a la partie antidérapante contre nous, en fait, on ne peut pas glisser facilement, et donc c'est vraiment pas pratique. Là, au moins, en retournant, c'est pratique. C'était la petite astuce optimisation du système. Voilà. C'est... Oups, je vais en grandir. Voilà. C'était l'astuce que je vous propose aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, testez, faites votre expérience. Et puis voilà. Je peux aussi vous conseiller de retourner sur mon blog, lire cet article, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour retrouver l'intégralité de ce que j'avais écrit, qui est grosso modo ce que j'ai dit, mais avec notamment les liens vers le produit. Et voilà, donc merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Pour aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon blog initiation-photo.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement mon livre sur le chemin de votre inspiration, qui vous donnera mon processus pour ne jamais manquer d'inspiration créative. Pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour votre petit coup de pouce pour m'aider à référencer ma chaîne.